si je vous dis Radegonde de Poitiers, Vultetrade de Lombardie ou Vulfégonde. Ça vous évoque quelque chose, non? Ces noms étranges sont pourtant ceux de reines de France. Je m'appelle Titiou Lecoq et dans mon livre, je raconte une histoire de France que l'on n'apprend pas à l'école. Une histoire faite par les femmes. Prenez Brunéo par exemple. Inconnue au bataillon, c'est pourtant la première femme à avoir régné sur le royaume des Francs pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, elle est tombée aux oubliettes. Mais à l'époque, elle s'est trouvée au cœur d'une guerre impitoyable, faite de complots, d'empoisonnements et d'assassinats. Pour finir torturée et mise à mort. Un vrai épisode de Game of Thrones. Si son nom ne nous dit rien, Brunéo a pourtant été une grande dirigeante politique. Elle a transformé en profondeur le royaume. C'est d'ailleurs à elle que l'on doit l'invention de la police ou l'interdiction de marier une femme contre son gré. On nous a longtemps raconté que si les femmes n'apparaissaient pas dans l'histoire, c'est parce qu'elles avaient été trop occupées à faire le ménage ou à éplucher les patates. C'est faux,